Hé hey Jean-Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle d'un truc. Bah vas-y, dis. Je me suis toujours posé la question, et y a pas que moi, je te jure. Bah vas-y, crache. Sur ton bras, là. Pourquoi t'as deux clous qui sortent? Mais c'est pas des clous. Mais c'est bizarre. Il y en a plein sur les commentaires, ils le disent. C'est pas des clous, et je peux pas t'en parler. Bah pourquoi? Ça t'a fait mal? T'as pleuré? Même pas. Et c'est un truc secret. Même à toi, j'ai pas le droit d'en parler. Sinon, ils vont me zigouiller. Comment ça, on va zigouiller? C'est un truc confidentiel. Vas-y, là, dis-le-moi. Moi, je te dis tous les secrets. Ah bon? Ok, bah je t'en dis un dernier que j'ai jamais dit à personne. Ouais, vas-y. C'est la dernière fois que j'ai vu Denise en vacances. Ah, la moche, celle-là. Ouais, je l'ai embrassée. Ah. Ah, c'est chaud. Ouais, c'était un pari, mais c'est dégueulasse. Bon, à toi maintenant. Ok. Mais par contre, tu le dis à personne. Vraiment, je te fais confiance. Mais t'inquiète. Tout a commencé il y a 2 ans. Je me baladais en ville comme ça, et c'est arrivé. Lila, la lila, la lila. Oh non, j'aime pas passer dans des petites ruelles. Attends, mais il y a quelqu'un là-bas. Ils sont en train de s'embrouiller. Donne-moi la mallette. Non, je peux pas vous la donner. Donne-la-moi, sinon je vais te tuer. Pensez à mes enfants. Je m'en fous, il me faut la mallette. Si je recule, ils vont me voir. J'ai pas envie de me faire tuer. Une dernière chance de me donner la mallette. Mon chef la veut. Mais ça peut être quoi dans cette mallette? C'est peut-être de l'argent. Il faut que personne la regarde. C'est pour ça qu'elle reste dans cette mallette. Alors donne-la-moi. Non! Attention à la mallette. Oh merde, elle est tombée. C'est quoi du coup? On a ouvert la mallette, ferme les yeux. Qu'est-ce que c'est? Hé hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, il a regardé le cube. Hé hey, toi, viens avec moi. Je me sens pas trop bien là. Viens avec moi, suis-moi. Je crois qu'il est réveillé. Administrez-lui des antidouleurs. Jeune homme, vous m'entendez? Oui. Je suis où là? Un endroit confidentiel. Mais vous êtes la personne qui voulait tuer l'autre. Je l'ai pas tué. Comment ça tuer? Mais non, il a dû mal comprendre. Non, j'ai bien compris. Rendez-moi la manette, sinon je vous tue. C'est ça que vous avez dit. Flash. On a dit pas de violence. Vous vous appelez Flash? Vous vous êtes cru dans les DC Comics ou quoi? C'est un surnom. En vrai, je m'appelle Patrick. Ah, Flash, c'est quand même mieux du coup. Eh, hey, je peux savoir où je suis là? T'es dans un laboratoire de recherche. Pour t'expliquer vite fait, on fait des recherches. Dans un laboratoire de recherche? Sans déconner. Bon, l'ironie, ça va 2 minutes. Après des accidents encore inexpliqués, notre équipe va sur place. Avant tout le monde. Les journalistes et tout et tout. Ce que tu vois à la télé, c'est pas la vérité. Toutes les choses qui se passent dans le monde sont orchestrées au-delà de la planète Terre. Chelou votre histoire là. Quoique une année j'ai déjà remonté le temps. C'était nul. Quoi? M'interromps pas s'il te plaît. Nous validons maintenant la présence d'extraterrestres dans le monde. Et c'est eux qui posent des problèmes sur la Terre. Genre ils veulent nous voler, c'est ça? Non. Je pense que c'est simplement des messages. Et un jour, lors d'une expédition, nous avons trouvé un cube. Il était étrange, mais impossible qu'il vienne de notre Terre. Il y a des symboles dessus et un langage que personne n'a jamais vu. Mais c'est comme dans Transformers. Et le cube? Ouais bah c'est une coïncidence. Mais il sort à quoi le cube là du coup? Je pense qu'ils l'ont oublié. Pour moi, ce cube est une carte. Il indique où situe les aliens, leur base. Et du coup, vous avez été là-bas? Impossible de déchiffrer le message. Et on a aussi un problème. C'est quoi? Chaque personne qui regarde le cube meurt. Et moi, j'ai pas mouru. Sauf toi. Et ça, c'est très intéressant. J'ai peut-être des super pouvoirs? On n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Le problème? Oui, c'est quoi? C'est comme si le cube avait perdu tous ses pouvoirs. Il n'émane plus rien. Plus de lumière, plus rien. Ah, maman, je suis désolé. Par contre, moi, je vais juste devoir rentrer chez moi. Parce que c'est l'heure de la soupe. T'es bloqué avec nous pour l'instant. Mais pourquoi? Au moment où tu as posé les yeux sur le cube, tu as récupéré tous ses pouvoirs. Ah, là, c'est comme dans Transformers, du coup. Arrête avec ça. Ok. Donc maintenant, c'est toi la carte. Je suis la carte. Mais tu vas arrêter, oui. Pardon. Par contre, pour lire la carte, on avait 2 solutions. Bah lesquelles? Soit en découper le crâne et en récupérer le cerveau. Pas terrible comme choix, ça. Je pense que j'en ai encore un peu besoin. Ou soit en t'implanter un élément holographique. C'est-à-dire un élément mammographique? Vous m'avez implanté des seins? Mais n'importe quoi. Regarde ton bras. Mais c'est quoi les prises USB que j'ai dans le bras là? C'est pas des prises USB, c'est des émetteurs holographiques. Et grâce à ça, on pourra lire le plan. Et je peux mettre mon téléphone dessus? Pour regarder la télé. À la limite, si on n'a plus besoin de toi, on pourra te laisser cet appareil. Ah cool. Par contre, oui, on a encore besoin de toi pour une mission. Ah j'espère que c'est pas trop dangereux. Ma mère, elle va me zigouiller. On s'occupe de tes parents, t'inquiète pas. Vous allez pas les tuer, hein. Mais je ne tue personne. Non mais on sait jamais du coup. Peut-être que t'es l'élu. Si le cube t'a rien fait, il faut que ça soit toi qui rencontre les aliens. Non mais vous êtes pas bien ou quoi? Je vais me faire défoncer. Oui mais tu pourras peut-être résister au pouvoir. Ah bah génial. J'y vais mais je suis pas sûr d'en revenir. Je suis l'élu, c'est ça? Et maintenant on est dans Star Wars. Tu étais l'élu. Faut que t'arrêtes de regarder des films toi. On a essayé d'activer les l'émetteur holographique, mais on comprend rien à la carte. Alors on pense qu'il y a que toi qui peux le faire. Comment ça s'active ton bordel? Ah bah ça s'active tout seul. Oh qu'est-ce que c'est? Ouah trop stylé. Du coup tu vois la carte? Ah bah oui je la vois bien là. Et t'as vu tous ces symboles? Ah moi c'est pas des symboles, non moi c'est des lettres, standard quoi. Mon alphabet. Donc tu as maintenant la capacité de lire les symboles. Intéressant. Mais je pense que c'est plus des... Vous savez, là, les chiffres sur les cartes, là. Les coordonnées GPS. Voilà. Donnez-moi un papier, je vais tout écrire. Tiens. Alors, il y a ça, là. Voilà. 30 latitude. Voilà. C'est parfait, ça. Merci beaucoup. Au fait, comment tu t'appelles? Jean-Bernard. Mais tu peux m'appeler Rocket. Pourquoi? C'est mon surnom. On est dans la même équipe, maintenant. Et vous m'avez pas dit qu'on allait prendre le bateau? Bah pourquoi? Pour traverser la mer, c'est plus facile. L'avion, ça existe. J'ai le mal de mer. Ça va, on est bientôt arrivé. Et vomis pas dans l'eau. Ça la pollue. T'inquiète, les boissons, ils mangent, de toute façon, regarde. T'es vraiment dégueulasse. Nous sommes arrivés. Hé, Rocket, regarde. L'île aux aliens. Ah, donc c'est ça le repère des aliens? Stylé. Et pourquoi l'île, elle apparaît pas sur les cartes? Pour passer incognito. Ils ont pas le choix. Stylé. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va rester sur le bateau, à distance.
sens. Et moi, je vais devoir y aller comme un bon pigeon, c'est ça. Vous avez des armes quand même? On n'est pas des tueurs. Et si je dois me défendre? J'y vais comment avec mon hologramme là? Normalement, non. Qu'est-ce que vous en savez? On verra. En tout cas, bonne chance, Rocket. Et qu'est-ce que je dois récupérer en fait là-bas? Y a rien à récupérer. Juste des informations. Pourquoi ils sont là? Et pourquoi ils font tout ça? Ok, des infos. Ah, j'aime pas traverser dans les forêts. J'en suis sûr, y a plein d'araignées et de serpents. Quoi les bruits là? Pourquoi on est en pleine nuit aussi? Oh, je vois quelque chose là. Une maison? Pourquoi une maison? Je m'attendais à voir genre un château ou un bunker. Les aliens, ils ont des maisons au calme. Ils sont bien. Bon, je dis les doucement. Bonjour, y a quelqu'un? Je viens en paix. Bonjour, c'est les voisins. Je cherche des œufs parce que je dois faire un gâteau. Oh, Grigorio. Enchanté. Ok, ouais, bon, Guido. Je comprends pas tout en fait. Vous pouvez pas parler ma langue? Eh, mais vous jouez à quoi là? Ah ouais, à PS5. À PS5, je connais. Ah, tu veux qu'on joue ensemble? Ah, ouais, FIFA. Ah, tu veux qu'on fasse un FIFA ensemble? Je suis ton homme. Allez, passe la balle, passe la balle. Yako, Pakayo. Bah, fallait pas prendre le Japon, ils sont nuls. Moi, je prends la France, valeur sûre. Koyo Mbappé. Ah, tu connais Mbappé? Il est vraiment connu partout. Et par contre, faut qu'on discute là. Yaka Poyo. Faut laisser tranquille la terre en vrai. Nous, on est gentils. Après, si vous restez et que vous faites pas de bordel, on s'en fout. Mais nous, en vrai, on est gentils. Yenegoido. Je te fais rigoler, c'est ça? Ouais, normal. Bon, je comprends pas trop ce que vous dites, mais on part du principe que c'est bon. Vous partez chez vous? Yago, Chekoya. Nickel, on fait comme ça. Et merci en tout cas. Lakayo, Fakashio. D'accord, bah j'ai pas compris, mais je retiens. Ah, cool, j'ai réussi ma mission. Oh, ils vont tellement être contents. Voilà, je suis là. Vous avez vu des aliens? Ouais, j'ai même joué à FIFA avec eux. Quoi? En vrai, ils sont cool. Je comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Ils ont un bon fond. Ils rigolent comme nous. Bon, par contre, ils sont pas très beaux. Franchement, félicitations. Par contre, j'aurais peut-être dû enregistrer ce qu'ils ont dit. Vous l'avez fait. Vous avez un enregistreur sur votre bras. Ah bon? Ah, mais c'est terrible. Faut l'activer. Ah bah, je l'ai pas activé. Ah, peut-être juste à la fin avant de partir. Il m'a dit une phrase avant de partir. Ça devait être genre. Rentre chez toi, merci d'être venu. Attendez, on va essayer de déchiffrer tout ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, le petit alien? On va tous vous niquer. C'est pas terrible ça? Et c'est pour ça que j'ai ça sur le bras. Et genre, la planète Terre, elle a explosé. Ouais, mais elle s'est réparée après. Ah, c'est fou, hein. Ouais, j'ai galéré de ouf. Moi, j'en suis sûr, c'est faux. Eh, ça sentait le Oussama Amar, là. Mais non, je te jure que c'est vrai. Bon, peut-être pas la fin, du coup. Il a peut-être pas explosé la Terre, tu vois. Mais le reste, je te jure, c'est vrai. Même pas, je te crois. Oh. Jean-Bernard, on a besoin de toi très vite. Réponds-nous. Ouah, chômé.